Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live sur IS. Allez, hop, on coupe ceci, le micro de la manette. Bonjour, bonjour. Da 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 da. Le dernier live sur IS, ça remonte à quand déjà? Ça remonte à samedi. On en a fait dans l'après-midi. On a fait une longue session même de 5 heures, voire plus. Samedi. Et bah il est grand temps de continuer parce que c'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi prenant, c'est vraiment sympa. Ce IS numéro 8, Lacrimosa of Dana. On avait remarqué un truc, je vais baisser le son de mon casque parce que ça gueule, le retour gueule dans mes oreilles. Salut Tsum, et oui, c'est les grosses guitares. Ah bah il y a un chat qui veut déjà sortir du bureau, mais je suis abandonné dès le début, voilà. J'avais vu ça là. Là il y a un point d'intérêt, j'aimerais bien voir de quoi il s'agit. Donc on va aller faire ça avant de poursuivre l'intrigue principale. Voilà, le bureau a été vidé. On va aller voir ça là-bas, là. Il n'y a pas de... Ah si, il y a un TP, là, juste là. On va aller voir de quoi il s'agit. C'est où? Ah oui, d'accord, c'est ici. Okay. On va aller voir de quoi il s'agit. À 2000... Il est roulé champi, la vache. Pas mal. On va prendre la quiche. Histoire de se gagner du gain d'XP. Elle est où? Elle est là. Et on a les PV maximum, mais on s'en fout. Pas pour ça qu'on veut la prendre. Hop. Comment on va, Tsum? C'était là-bas. Le point d'intérêt. Donc eux, si on leur passe à côté tranquillement, sans s'agiter, ils ne nous attaquent point. Par contre, là, il y a des vilains. Hein. Là, il y a des vilains carnivores. Un peu fatigué, mais ça roule et toi. Bah, ça roule aussi. Il y a des nouveaux poissons qui sont apparus. Enfin. Ils sont gentils. Ils sont gentils, ils nous attirent. Ah! Poisson. Sait-on jamais s'il y en a un qu'on a pas pêché. Hop, oui, donc un peu fatigué, mais ça roule et toi? Bah moi ça va. Ça va, on est mardi, pour l'instant la semaine s'écoule bien. Même si bon, vivement vendredi 17h. Histoire d'être en week-end prolongé en plus, donc ça va faire du bien. Petit week-end de 3 jours, on prend. Ah merde! Ah, j'espère que mes potes qui l'attaquent vont pas aggro l'autre là. Merde. Oh oui. Bon, apparemment se battre à côté de lui ne l'aggro pas. Tant mieux. Ah merde. J'ai aggro le carnivore. Jusqu'où va-t-il me suivre? Ah oui. Il me lâche pas, l'enfoiré.
On n'aime pas trop ça, les agressions. Bah effectivement, on n'aime pas ça. Ah oui, forcément, là, je passe à côté d'eux. Forcément que je les aggro... Ah ! Oh merde! Dis donc! Ils sont méchants eux là! Ouf. Aïe! Et lui, il est cané. Il reste plus que son pote. Et disons que c'est qu'on va bientôt prendre un level. Bah, il reste que lui là. Ah oui! Ah, il m'a mis un gros coup de queue. Pas très gentil, ça aussi. Ah, il m'a tué! L'enfoiros. Résurrection, voilà. Raise. Aïe. Allez, c'est bon. Ricota a pris un level. Du coup, c'est quoi le point d'intérêt là-bas? Ah, il est là-bas le point d'intérêt. Il n'y a presque pas eu de mort, c'était le moment. Le retour des gros. C'est ça là, c'est le... Ce sont des traces d'un feu de camp. D'ailleurs, on dirait qu'il est encore chaud. J'ai pas l'impression que c'est Monsieur Thanatos qui l'a fait. Et on y songe, ça pourrait être le feu de réfugiés que nous n'avons pas encore rencontré. Ah ! L'auteur du feu n'est pas loin ? Oui, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Cherchons dans le coin. Ah ah ! Ah d'accord, faut retourner là-bas. Le jeu par contre est très gentil, hein. Il te montre exactement où aller. Allez, je bute encore. Je bute encore un gros et je prends un level. On va essayer de faire ça. On va tâcher de pas mourir. Ah yes. Yes. Oui, il affaiblit. On fait des bonnes esquives là. Allez, butez-le là, bordel. Ah, voilà, parfait. Ça, de level up. Il y a du loot, on prend. Ah bah là il y a du poisson là. Attendez. Ah! Bon, allons vite au point. Allons au point d'intérêt. Ah bah y a quelqu'un! Oh, vous avez découvert l'auteur du feu. Je crois, mais il y a quelques années de plus que ce que je pensais. Ah, une mamie.
On a trouvé un nouveau naufragé. Oh mes aïeux, enfin j'ai trouvé quelqu'un. Vous aussi vous étiez sur le Lombardie ? Adèle et ses amis racontèrent à la vieille femme les détails de ce qu'ils avaient vécu jusqu'ici. Ah bon ? L'île où nous nous trouvons s'appelle l'île de Sérène. J'ai vu plusieurs possibilités de s'échapper d'ici. Ce n'est pas une rencontre formidable ? Oui, ça l'est, soyez tranquille. Toute seule, ça craint, allons ensemble au village des naufragés. Attention ! Oh là ! Là, une bête ! Tout va bien, laissez-moi faire. Comment ça ? Que veut-elle dire ? Oh ! Mais comment ça ? Oh la vache, c'est super mamie. Oh la vache! Je l'ai enfin eu, vieille femme musclée. Oui madame, pardon madame. Ah oui effectivement, pardon madame, oui. Comme dirait Anton Senna. J'ai fait la même erreur que ce matin. Pardon madame. Réjouissez-vous, on va faire un banquet ce soir. Ah oui quand même. Mais qui êtes-vous? Un rien vous étonne, n'est-ce pas? Sylvia. Gladiatrice au Coliseum, pas étonnant qu'elle soit si forte. Quelle mamie hors du commun! Cette grande épée, ces cheveux argentés qui flottent au vent tels des ailes, vous ne seriez pas le faucon aux ailes d'argent? Oh, tu me connais! Le faucon aux ailes d'argent, la gladiatrice invaincue pendant toute sa carrière, vous êtes une véritable légende du Coliseum. Ça change des personnages de vieux, effectivement. Quoique, il y a Tortue Ninja, hein. Dans les personnages vieux mais balèzes. Elle a une aura similaire à mon maître. Ah, quoi qu'on raconte, ce sont des vieilles histoires. En tout cas, vous êtes bien sympathique de m'accueillir dans ce village de naufragés. Allons-y sans plus attendre. Vous aussi, faites attention à vous. Bah yes. Elle peut pas combattre avec nous? C'est pas des ados, les tortues ninja? Tortue géniale! J'ai dit tortue ninja? Putain, quel... Mais... Du mal aujourd'hui quand même. Hein. Tortue géniale! De Dragon Ball. Ah! J'ai dit tortue ninja? Oh là là, ça va plus. Hein. Ça va vraiment plus. Lourde ascension, je l'ai pas installé. Hein. Faut que tu arrêtes le coca. Ouais, faut que j'arrête le travail surtout. Je pense que c'est surtout ça le problème. Arrêter le travail, ça va être mieux. Qu'est-ce qui n'est pas installé chez elle? Comme ça. Très bien. Et du coup, maintenant, on est combien? Ah, on est 17, et là il faut requis 18, lol. Ah, pas de chance. Tac. Alors, fais-moi voir, est-ce qu'il y a d'autres endroits qui sont bloqués? Qui nécessitent... là il faut 20. Bon bah pour l'instant, il me manque une personne et on pourra débloquer ce petit endroit là. Ok. Oui. Bon bah reprenons le fil de l'intrigue. Se déplacer. Ah mais ça t'indique les quêtes qu'il y avait côté d'Anna. Très bien. Du coup reprenons le fil de l'intrigue. Donc là on avait ouvert l'accès en faisant pousser un arbre, hein, rappelons-nous. C'était un perso optionnel, tu penses? Oui je pense. Jin no mon.
Je pense que c'était un perso secondaire. Hein. Ça aurait été un perso principal, il nous aurait laissé la possibilité de jouer avec, je pense. C'est quand même ça a l'air d'être une grande guerrière. On dirait une sorte d'hôtel. Ok. Mais du coup, son personnage va sans doute être une grande aide quand les monstres vont lancer des attaques au village. Oh là, il y a plusieurs sorties là. Oh. Oh, c'est un raccourci pour la zone précédente, ça. Vous avez beau forcer, elle ne veut pas s'ouvrir. Ah. Ah, il y a un mur invisible. C'est sympa, là. On voit un contrebas. Bon, par contre, on n'a pas monté autant d'étages hein, pour être aussi haut. Hein. Un peu abusé. C'est sympa. Là aussi, ça va être fermé, j'imagine. Ouais. Une porte sur laquelle est gravée aide. Ok. La musique a une grosse vibe FF, je trouve, ici. Ah, peut-être. Ça te fait penser à une musique de FF14 ? Petite musique de temple, elle est sympa, là, aussi. Temple du Grand Tas. C'est ici. Le temple du Grand Arbre. Nous pouvions le voir depuis le mont Gendarme. Nous y sommes enfin arrivés. Le bâtiment est très ancien. Il devait sûrement être magnifique à l'époque. C'est un endroit très paisible. On dirait que des créatures antiques se sont faufilées jusqu'ici. Cet arbre qui se trouve derrière le bâtiment est sans doute l'arbre originel. Adol, allons voir cet arbre. Pas des poiscailles là d'ici là. Tu te moques de moi. Oh mais y'a pas de poisson. Oh. C'est honteux. Ah. Oh là là, qu'est-ce que. C'est que ça. Ah. Et c'est un ratanas. Ouah. Oh la vache. C'est que cette bestiole là, une espèce de kangourou ratanas qui se bat avec un gland. Oh la vache. Où ça? Il est là. Dis donc. Vilain. Vilaine créature. Vile créature démoniaque. Les portes là sont fermées. Ah, d'accord, hein, oui. C'était curieux comme bétain, oui, je suis d'accord. Je sais pas ce que c'est comme bestiole, mais c'est très étrange. Là c'est fermé. Oui. La porte a bougé toute seule. C'est un drôle de système. Comment est-ce qu'elle bouge? Oh. Il est rentré dans le trou. Il y en a un là-bas. On le voit là. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Bizarre. Fais voir le bestiaire. Bête. Il est où? Route falaise, temple grand arbre. Un ratani.
C'est un ratani. Bête vivant dans les ruines, elle attaque les intrus avec un bâton qu'elle manie à merveille. Un ratani. Ah. La vache. Espèce de dragon antique. Mais c'est les dinos. Voilà. On peut glisser dans le trou là ? Ça ressemble à rien que je connais. Oui, bah encore heureux. Mais quelle est cette pièce ? Je ne sais pas, mais ce trou est une porte cachée, n'est-ce pas ? Oh. Je suis persuadé de l'avoir déjà vue. Ah ! C'est la chambre de Dana. C'est la chambre de Dana, d'accord. L'hôtel a perdu de sa splendeur, il est couvert de poussière. Il y a un objet en décomposition posé dessus, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Très bien. Hop! Oh, il y en a un plus gros en haut. J'ai peur. Il y a un cristal. Est-ce que... Mais contre quoi il combat, lui, là? Mais t'es quand même pas en train de combattre contre un ennemi qui est en haut. Je rigole, quand même. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, il est énorme, lui. À l'aide! Ah! Mais quoi? Mais il m'a fait tomber! Ben, il faut sauter en même temps que lui! Aïe! Il faut sauter pour pas tomber! Ben, il est balèze lui, hein! Une grosse bête! Ça, c'est la porte en bas. Je trouve comment l'ouvrir, à mon avis. Il y a un kangourou pika du démon, j'avoue. Oh putain. Allez, venez les gars. Oh putain. On est suivi. On est suivi par le gros. On peut pas passer. Il est Keblo. Aïe. Oh putain. Aïe, mais laisse-moi passer, espèce de con. Aïe, putain, je me fais tellement ratatiner la gueule. T'as un kangourou pika, quoi. La vache. Ah non, je confonds les rogers, c'est un kangourou bandigoute du démon. Ah. Est-ce que c'est vraiment mieux? Je suis pas sûr. Hein. Est-ce que ça ouvre? Ah bah c'est un accès à l'entrée. Un accès à l'entrée de service. Oh merde, ils ont repompé, ils ont repompé. Oh merde, ils ont repompé. C'est le fait d'être travaillé dans le trou qui va faire popper les bestiaux. Allez, on se barre. Oh merde! Il m'a surpris. Mais oui, mais... Laisse-moi sauter, espèce de con! Merde! Oh la vache! Laissez-moi prendre ça d'un peu. Même si avec ça, je prends quand même pas mal cher. Hein. Bon bah là, y'a que dalle, ok. Ah mais je me disais, mais y'a rien dans ces pots depuis le début, mais en fait, il peut y avoir des trucs.
C'est pas mieux, mais c'est 100% australien maintenant. Très bien. Il y a un accès en bas. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, la porte est fermée. Rectification, il n'y a pas d'accès en bas. Il n'y a que dalle, c'est cassé. Très bien, on est de l'autre côté. Ah, on va ouvrir la porte du bas. Ok. Un reprenant de la vie. Oh là. Je vois un truc là devant, là, ça m'inspire pas confiance. Hein. Sauvegarde. Et puis en plus, il n'y a plus de musique, oui, effectivement. Ça inspire pas confiance, le truc qu'on voit devant, là. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que j'ai comme objet? Bon, j'ai plein de soins. Bon, ça va le faire. Faut pas paniquer. J'ai plein de soins. Ok, pas hésiter à prendre ça pendant le combat pour se soigner et aussi pour avoir un gain d'XP quand on aura gagné. À mon avis, boss là. Eh ben t'enflamme pas trop. Est-ce que c'est vraiment une statue? Voilà. Un méca dragon ancestral. Soldat du Saint Sanctuaire, Brachion. On croirait un boss de Dark Souls. Les méga guitares. Pas contente. Pas contente. Merde. Ah. Voilà, c'est comme ça qu'on... Oh là... Ah. Oh la vache. La tête chercheuse, son attaque là. Oh, petit enfoiré. Aïe, mais comment ça il m'a touché? On fait quand même des bons coups avec... Ah, il est level 40, il est plus bas, il est plus haut level que moi l'enfoiré. Oh la vache. Faut pas hésiter à mettre des petits piquets comme ça là, tac tac tac. Il faut rester dans les patounes. Vraiment comme un boss de Dark Souls. Il faut rester dans les pattes. Oh l'enfoiré. Ah merde. Il a des nouveaux... Ah il a des nouveaux patterns. Une petite part de quiche là, oh oui. Ok, on lui a bouffé sa première barre de vie. Allez hop, on lui lance la super attaque de Saad.
Bim! Oh la vache, les dégâts que ça fait! Ah oui! Oh, l'esquive ultra bien placée là! Et bim! Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Voilà! Qui c'est le champion? Non mais! Mec, il en peut plus. Ah, j'ai placé deux esquives là d'affilée ultra bien là. Bam, ça a permis un enchaînement plus l'attaque finale de Saad. C'est qui le patron? Comment est-ce possible? C'est inimaginable dans le royaume d'Eternia, ça fait partie de leur pouvoir. J'ai lu quelque chose de similaire dans un livre sur la magie. Les gens de l'ancien temps utilisaient la magie. Je ne sais pas, c'est possible, c'est possible. Il voulait dire que Dana et ses compagnons utilisent des pouvoirs étranges. Je crois qu'ils appellent ça l'énergie spirituelle, c'est sans doute ce qui lui permettait de bouger. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais leur civilisation est décidément très riche. La voie est libre, Adol, allons-y. Bon, à mon avis, c'est un mid-boss. Hein. Pas le vrai boss de la zone. Même si, putain, on lui a bien mis quand même. Hein. Il a pas été déçu du voyage, le gars. Le grand arbre originel. On a l'impression que d'innombrables troncs s'entrelacent à l'infini. Je n'ai jamais vu d'arbre aussi grand. C'est ça que voulait nous montrer Thanatos. On peut parler à nos potes. En y regardant de plus près, c'est une vue incroyable. Il semble que j'avais raison. Ce sont les racines de l'arbre. Tu devrais vérifier par toi-même. La première fois que je vois un si gros arbre, je me sens bizarre. Je suis sans voix. Cette présence, c'est le grand arbre originel. Quand on le voit d'aussi près, c'est un arbre magnifique dégageant un sentiment d'éternité. Ce sont les racines d'un arbre. Je l'ai juste aperçu, mais ce n'était pas impossible. Qu'est-ce qu'il dit? Alors. Oh! Il y a Dana! Comment elle a survécu toutes ces années? Ben on va le savoir. On va l'apprendre dans les prochaines heures. Ah.
漂流村へ一旦引き上げてはいかがですか。この北部であったこと、タナトスさんや彼女のこと、ドギたちにも相談して状況を整理した方が良さそうです。それが賢明のようだな。もう何が起きてんのか、わしにはさっぱりだぜ。En voyage dans une terre dominée par les créatures antiques, Adol et ses compagnons ont finalement atteint des ruines pleines de mystères. Sur leur chemin, une mystérieuse jeune fille qui apparaît dans les rêves les attendait. Au nord de l'île de Seren se trouve l'ancien monde qui abrite les restes du royaume d'Eternia. Pourquoi est-ce que cette dénommée Dana, qui prétend appartenir à une espèce ancienne, dormait-elle dans les ruines ? C'est empêtré dans ce tissu de questions sans réponse qu'Adol se précipite vers le village des naufragés. Conclusion du chapitre, je pense. Voilà. Chapitre 4, le monde perdu, fin. Il n'y a pas que lui qui a des questions, effectivement. Ah, c'est con, on aurait su, samedi, on aurait fait durer le live, voilà, une quarantaine de minutes en plus, et paf, ça aurait fait une putain de conclusion. Voilà. Dis, Dana, elle va bien ? Ah, petite erreur de traduction, là. Elle pose la question... C'est pas Dana qui pose la question. Ah, ou alors elle dit... dis, est-ce que Dana va bien ? Dans ce sens-là. Et encore plus que question qui aurait attendu 3 jours. Oui, c'est vrai. Oui, mais on n'aura pas les réponses là, dans ce live-là, je pense. Hein. Oui, selon Licht, sa vie n'est pas en danger. Tout de même, je pensais que Dana venait du passé, mais... Le royaume d'Eternia, c'est ça ? On n'est peut-être pas aussi lointain qu'on le pensait. Bah, tu rigoles ou quoi ? Je ne sais pas. Cette explication ne coïncide pas avec le fait que la capitale soit en ruine. C'est vrai, en effet. Dana a une drôle de marque sur l'épaule. Une marque ? Ah, je n'avais pas remarqué, c'est vrai. On dirait un motif en forme d'œil. C'est soit une coutume d'Eternia, soit la marque d'une prêtresse. Comment il sait ça, lui ? C'est possible, en effet. Eh oh, les gars, vous ne devriez pas la fixer comme ça. Adol, tout est prêt ? Aaron. Qu'en est-il des bêtes ? Je n'ai pas l'impression qu'elle nous suive. Si jamais elle débarque, je n'hésiterai pas à prendre ma revanche. Ah, mais d'accord, du coup la contre-attaque a déjà eu lieu. Bien, par contre, on dirait que Doggy souhaite vous parler. Allez tous au point de réunion. Chapitre 5. La prêtresse du grand arbre. Ça va chier. Entre les ruines mystérieuses de l'ancien monde et cette prêtresse qui apparaît dans les rêves, je n'aurais jamais pensé que le nord de cette île renfermerait ce genre de surprise. Et elle n'était pas... Si elle n'était pas là, j'aurais pensé qu'il s'agit d'une hallucination, mais là... Vous avez l'air bien calme pour parler de cela. Thanatos, c'est bien ça. Quand on est avec Adol, on finit toujours par parler de ce genre de choses. Pour te dire franchement, j'ai pris l'habitude. C'est vrai ? Tout cela a l'air fort intéressant. Un jour, il faudra que je prenne le temps d'écouter tes aventures, Adol. Oui, bien sûr, j'aimerais bien en savoir plus sur vous aussi, Thanatos, on va leur répondre ça plutôt. Je vois, on dirait que je vais bien pouvoir m'entendre avec toi. Si vous continuez ainsi, cela n'en finira jamais. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. En tout cas, cet endroit n'est pas une simple île inhabitée, elle renferme un grand mystère. Oui, on dirait bien. Bien que nous ayons en main le plan du navire, nous devrions rester sur nos gardes. Nous devons rester ensemble jusqu'à ce que le bateau soit terminé. Oui, et c'est d'autant plus vrai que les créatures antiques s'activent de leur côté. À partir de maintenant, nous devrions essayer de comprendre ce qu'il se passe. Quand cette Dana sera réveillée, nous pourrons lui poser quelques questions. Je veux faire partie de la famille de Dana, ce qu'elle dit.
Sachant qu'elle semble avoir perdu la mémoire, c'est sûr de savoir si elle deviendra notre alliée. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense qu'elle va devenir notre alliée. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je vois. J'espère que ce sera le cas. En tout cas, dans son rêve, elle avait l'air d'être coopérative avec Adol. Quoi qu'il en soit, nous devons attendre qu'elle se réveille. Ah ! Finalement, il y a une contre-attaque qui est en cours. Oh là là, on dirait qu'ils sont là ! Adol, concentre-nous sur les ennemis en face de nous, pour l'instant. Bon bah effectivement, ça va chier. Oh, un petit trophée qui tombe. Le monde perdu, pour avoir terminé le chapitre 4. Est-ce qu'on peut renforcer le village, avant toute chose ? J'ai bien peur que non. Et merde. On peut pas renforcer le village. Ah ! Ce serait drôle que les bêtes se ramènent. Quelle sensation grisante, ça fait vraiment longtemps. Allez les bêtes, préparez-vous. Elle est motivée, elle. Hein. Alors, si je lui montre la carte. Ça n'avance pas tellement. Ok. On va rien me donner de plus. Est-ce que... Toujours pas de cadeau, hein. Est-ce que je peux augmenter mes armes avant de... Max Cafoulal. Faut bien discuter et décider de notre direction. Sache que Is speedrun en 30 minutes sur PS Vita, 15 sur PS4 et en 2h40 en All Story Bosses. Ah oui, quand même. Eh ben, on en est loin. Ah. Hein, c'est pas du tout un speedrun, nous, qu'on fait. Hein. Est-ce qu'on peut créer de nouveaux équipements qui nous boostent bien, là ? Non, que de la merde. Allez, au revoir. Au revoir, tu proposes que de la gaille. Petite sauvegarde. C'est un slow run même. Ah oui, non mais totalement. On en est à plus de 25 heures de jeu. On en est à combien ? Bah 25h12. Allez, on commence la contre-attaque. Bon, quand vous serez prêts, poste-toi sur le lieu du combat. Vous êtes prêts ? Bah oui. Niveau conseiller 40, pile poil notre niveau. Hein. Et il va y avoir 3 vagues. Ok. Ah oui, je les ai sonnés. Et du coup, ils sont loin. Ah, c'est les petits. Allez, bim, bim, bim. Mais, ah mais il en reste un là. Et point vu. Ah ! Les darons ! Non ! Oh la vache ! Comment il détruit la pale, enfoiré ! Vite! Aïe, mais putain! Bah putain! La vache! On a perdu un appât. Ah mais non, je pensais que le gong était en train de crever, mais non. Et bah. Ça se voit qu'on est pile à niveau, hein. Ouais. On n'est pas au mieux, hein. Ah mais quel con. Voilà. Ouah. Oh merde. Mais lâche-moi. Il est con lui là.
Ah la vache. Voilà. Ah putain, Ricota, elle est efficace contre les gros. Ok. Où ça? Où ça? Où ça? Là-bas. Allez, lui, il est bientôt mort. Voilà. Oh merde. Ah! Laisse les appâts tranquilles, toi! Par contre, ceux-là... Je sais pas qui est efficace contre eux, mais... C'est pas vraiment Adol, hein. Voilà. Hein? Comment ça? Putain, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait des petits. Putain. Aïe. Il fait des sacrés dégâts, le bec en sabot, bah oui. Ils sont redoutables quand même, hein. On voit qu'on est pile à niveau. Hein. Putain, voilà, lui c'est fait. Aïe. Oh. Ah, elle est venue nous aider, la mamie. Et elle nous a bien aidé. La vache. Oh. Troisième vague, la dernière. C'est chaud là. Hein. J'annonce une mauvaise note. La fin de... À la fin de la game là. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est Dana! Dans la vallée, oh. Pardon. Putain, quelle classe! Elle pète la classe quand même, hein. Dommage que son design soit vraiment un peu trop dénudé. Pour faire plaisir aux otaks. Mais bon. Dana, rejoins votre groupe. Ah oui. Ah oui. Toi, tu dégages, toi. Ah oui. Ah yes. Oh putain, avec son double saut. Hein? Comment ça, elle a pas son double saut? Hein? Il est où? Hey. Pourquoi elle a pas son objet de double saut là? C'est honteux. C'est honteux! Est-ce qu'elle leur fait du dégât au moins?
Oh la vache. Alors oui, mais eux aussi ils font du dégât quand même. Aïe. Tiens, toi t'es mort. Toi t'es pas beau et t'es mort. Oh non, il y en a des petits. Merde. Où ça? Il y en a des petits et les petits, ils peuvent pas être étourdis par le gong. Il a pété un appât. Par contre, elle les a trouvés où ces lames? Bah, je sais pas. Dans ses poches. Elle devait les avoir sur elle pendant qu'elle faisait dodo. Oh putain. Ah, les insectes, ça va. Elle leur fait quand même du dégât. Voilà. Yes. Ouf. Allez. Non. Est-ce que tu vas y passer? Oui, s'il te plaît. Voilà. On a quasiment tout perdu. Oh la vache! Non, mais après ça, il va avoir un boss, hein. Quand on voit les PV de la... qui reste à la... Ah! À la jauge ennemie en haut, là. Et ça ne s'arrête jamais! Au secours! Aïe! Tiens! Espèce de vilain! Oh la vache. Ah, c'est des aladars, mais c'est herbivore des aladars. Bah sauf les aladars dans ce jeu. Aladar est un iguanodon, j'avais oublié le nom du vrai dino. Ah oui, voilà, des iguanodons. Putain, on a tout perdu, eh. On va avoir une lettre, ça passe pas. On va avoir une note dégueulasse. Oh, elles sont tellement stylées ces lames. Elle est clairement pas là pour rigoler. Et bah. Yattara, minna. Otsukare-sama.
Oh ! Comment ça, un A ? Ils vivent heureux et ont beaucoup d'enfants aux cheveux violets. Eh ben dis donc. Du coup, à mon avis, la difficulté élevée de ouf comme ça et plein d'ennemis, c'était clairement voulu. Hein, parce que sinon, j'aurais pas eu un A. Dans la vraie vie, jamais j'ai un A. Vu que tout a été défoncé. Il y a plein de loot. Oh, potion de vie. Potion de vie, c'est pour augmenter les PV, ça, de manière définitive. Ah, une pierre de feu. On va pouvoir renforcer la forge. Je vois. Ça veut dire que le royaume d'Eternia existait à l'âge d'or des créatures antiques. Oui, c'est exact. Et dire que les humains existaient déjà à l'époque des créatures antiques. Cela bouleverse toutes les théories qui existent jusqu'à présent. Les créatures antiques, elles existent depuis combien de temps? Eh bien, tout ce que l'on peut dire, c'est que c'était il y a très longtemps. La période exacte durant laquelle les créatures antiques ont connu l'âge d'or n'est pas précisément connue. Par contre, pour les traducteurs de Is, là, un petit dictionnaire des synonymes. Là. Parce qu'au bout d'un moment, créatures antiques... 5 fois d'affilée là. Ah, en l'espace de 4 phrases, ça commence à être compliqué quoi. Au bout d'un moment, trouver des synonymes les gars. On m'a dit que tu as perdu la mémoire. Y a-t-il autre chose dont tu te rappelles? Pas comme si la langue française n'était pas bourrée de synonymes en plus. Je crois que mon nom est la prêtresse du grand arbre. À travers les rêves et le cristal, je me souviens aussi avoir pu échanger avec Adol. Cependant, pourquoi suis-je ici à cette époque? Pourquoi étais-je ainsi endormi au pied du grand arbre? Je ne me rappelle pas du tout ce qui s'est passé. Savez-vous à partir de quand vous avez perdu la mémoire? Ça doit être à partir du moment où Adol s'est dirigé vers le temple pour y planter une pousse d'arbre. Et ensuite, c'est... Oh! Dana, ça va? Oui, désolé, j'ai eu la tête qui tourne tout d'un coup. Quand j'essaye de me rappeler ce qui s'est passé, on dirait que je vais m'évanouir. Adol, je me demande ce qui s'est passé. Je pensais lui poser pas mal de questions, mais... Mais on dirait qu'il va d'abord falloir l'aider à retrouver la mémoire. Enfin, que peut bien faire pour... Que peut-on bien faire pour qu'elle retrouve la mémoire? À ce sujet, Adol, puis-je rejoindre votre équipe? Bah oui, bien évidemment. C'est sûr que tu dirais ça. Adol, toi qui as vu mon passé, je pense qu'il y a peut-être une chance pour que tu m'aides à retrouver la mémoire. Oh, je vois, dans ce cas, c'est décidé. Dana, tu viens avec nous? Du coup, Dana, tu es aussi ma grande sœur. Avec plaisir. On dirait que vous êtes tombés d'accord. Thanatos. Père, j'espère que je ne dérange pas. En plus, Daron, voilà Thanatos. Avec cela, nous sommes au complet. Bien, écoutez-moi tous. Voici le sujet du jour. Le sujet du jour? De quoi est-ce que vous parlez? Les tours de lessive. Alors, j'y viens. Grâce au maître et à Hummel, nous avons réussi à mettre la main sur le plan du bateau. Et vu que nous avons désormais plus de bras disponibles, je pensais que nous devrions commencer à construire le bateau. Oh, ça y est. Oui, et à ce sujet, nous allons avoir besoin de beaucoup de matériaux pour construire le bateau. Adol, si possible, je voudrais aussi te demander de rassembler des matériaux. Bien sûr, je vais aussi demander aux autres d'aider. Mais vous autres êtes ceux avec qui... Ceux qui avaient le plus de force. Cela va être un jeu d'enfant. Oui, c'est pour ça que nous avons fait de notre mieux jusqu'à présent. Et pas d'objection. Bien, merci d'avoir accepté aussi rapidement. Je viens d'afficher les matériaux nécessaires sur le panneau, va vérifier après. Au fait, j'ai entendu une étrange rumeur à propos du bateau. Hé, Doggy, c'est encore trop tôt pour... Dites, dites, de quoi il s'agit? C'est juste que, depuis peu, le brouillard est de plus en plus présent en mer. Et durant ces jours de brume, on dit qu'il apparaît. Il apparaît, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui apparaît? Vous ne parlez quand même pas. Oui, je parle d'un bateau fantôme. Mais qu'est-ce qu'il dit? Un bateau fantôme? Oui, je sais ce qu'est un fantôme. J'ai envie d'en rencontrer.
Si ce bateau existe vraiment malgré mon grand âge, je saurais tout retourner. Cela m'intéresse aussi. Je passe mon tour. Les fantômes sont ce qu'il y a de plus effrayant juste après ma femme. Qu'est-ce qu'il dit? Et dire qu'un bateau fantôme se trouverait sur cette île, c'est encore une histoire à dormir debout. Oui, la première fois que j'en ai entendu parler, j'ai cru que c'était moi qui avais mal compris. Enfin, on dirait que de nombreuses personnes ont aperçu ce navire. C'est peut-être vrai, mais nous n'avons pas de preuves plus tangibles pour l'instant. Bah oui, c'est ce que Saad a dit. Ah, complètement fou. Adol et les autres, vous devriez ranger ça dans un coin de votre tête et ne plus y penser. Je vois, vous avez raison. Ah, c'est une bonne idée. Bien reçu. Cependant, n'oublions-nous pas une chose importante. Au sujet de Dana, au sujet des créatures antiques, au sujet de Dana. Comme elle l'a dit tout à l'heure, nous ne pouvons qu'observer la situation. Le problème qui m'inquiète est la créature antique qui a coulé le Lombardie. Si nous voulons atteindre notre objectif, nous devrions nous débarrasser de ce qui va se mettre en travers de notre route. C'est vrai. Avec l'autre à tentacules qui traîne dans les environs, même si nous avons un bateau, nous ne pourrons pas nous enfuir. Dans ce cas, que devons-nous faire pour pouvoir nous déplacer en mer? Lui péter la gueule. Pourrait-il que la créature antique des mers avec les tentacules soit celle qu'on appelle Océanos? C'est quelque chose à son sujet? Oui, à Eternia, il y avait également un démon du nom d'Océanos qui coulait les bateaux. Afin d'assurer la sûreté des routes maritimes, de nombreuses recherches furent effectuées. Il est possible que je me rappelle de quelque chose au sujet d'Océanos. Il va falloir aller dans le passé. C'est vrai? Oui, il y a un bâtiment à l'est du royaume qui s'appelait la Tour de Baha. C'est dans cet établissement que se trouvent toutes les informations et tous les documents qui furent rassemblés durant les recherches. Les créatures antiques, nous les appelions dragons, mais cela ne change rien au fait que nous les avons bien étudiées. Et dire qu'un tel endroit existe. Cependant, il m'est difficile de dire si la tour est intacte sans y faire un tour. Adol, pour l'instant, que penses-tu d'aller y jeter un œil? Parce qu'à présent, il s'agit de la seule piste que nous avons. T'as compris. Il y aura peut-être un moyen de faire retrouver la mémoire à Dana dans cette tour. Oui, merci. Bien, Adol, je te charge donc de la recherche de matériaux et l'exploration de la tour. Préparez-vous tranquillement et mettez-vous en route. Bien, je dirais que c'est décidé dans ce cas. C'est du bien de voir que les choses avancent aussi rapidement. Nous, de notre côté, nous allons commencer les préparatifs pour construire le bateau. Bien, dans ce cas, mettons-nous tous au travail. En voilà une team qui a de la gueule. Pendant que j'y pense, Hummel, vous avez atteint votre objectif, non? Pour la suite, vous comptez rester avec nous également? C'est juste que je suis reconnaissante de votre aide, mais cela me surprend un peu. C'est normal que je vous aide. Le Blink, encore une fois. Après tout, rester sain et sauf dans sa planque fait partie du travail d'un contrebandier. En plus, c'est également un des préceptes de la famille Trabaldo, qui fait de la contrebande depuis plusieurs générations. Je vois. C'est une bonne chose que nous puissions faire front commun pour nous échapper de cette île. On compte sur toi! Oui, c'est compris. Dana et les autres, que devons-nous faire pour nous rendre à la tour de Baha? Eh bien, en allant vers l'est depuis le centre du royaume, où se trouve la pagode, il y a un grand pont. Après avoir traversé ce pont, il suffit de continuer sur le même chemin et de le suivre jusqu'au bout. On se dirige tout droit vers le royaume. Personnellement, peu importe où nous allons, cela ne me dérange pas. Si l'occasion se présente, il faudra peut-être même en profiter pour ramasser des matériaux pour le bateau. Adol, peut-être pourrions-nous réfléchir à la façon de nous y prendre, en allant voir le panneau d'affichage. Ensuite, une fois que les préparatifs seront terminés, nous nous mettrons en route. Oui! Tu as jarté qui de l'équipe pour mettre Dana? Ricota. J'ai largué Ricota. Après, du coup, ça fait 3 combattants au corps à corps. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Ça, c'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'on a eu comme... comme objet, alors, du coup? Un PV max plus 100.
qui on va donner ça? Bah après je joue quand même très souvent Adol, hein, donc on va continuer à booster Adol. Hein. Allez hop, PV max plus 100. De manière définitive. Très bien, le panneau d'affichage. Oh la vache, c'est quoi toutes ces quêtes là? Il me manque des matériaux pour la construction du bateau. Reviens me voir avec les matériaux ci-dessous. Bois luisant, cuir épais, minerai de fer. Je les ai pas tout ça. Livraison d'œufs. J'ai trouvé un œuf par hasard. J'aimerais le rapporter à son nid, mais je n'y arriverai jamais tout seul. Viens me voir si tu veux plus de détails. Pour Adol, je suis en train de fabriquer un truc génial. Si tu m'apportes de bons matériaux, je t'offrirai quelque chose. Reviens me voir si tu as des questions. C'est une quête de chasse. Collecte d'herbes claires de lune. Et je pense qu'on va faire quelques quêtes annexes là. Je pense que même on va aller jusqu'à la fin du live avec des quêtes annexes. On va jouer encore peut-être 20-25 minutes. Donc on va faire des quêtes. Alors du coup, à qui faut-il parler? Livraison d'œufs. Je vais t'expliquer à nouveau. C'est un peu soudain, mais tu pourrais regarder ça pour moi. Je l'ai caché dans la terre. Oh la vache, la taille de l'œuf. On pourrait faire une sacrée omelette avec ça. Apparemment, c'est un œuf. Je l'ai trouvé par hasard, parmi ceux qui avaient échoué sur la plage du village. C'est pas vrai, c'est un œuf de créature antique. Ah, ce serait ça. Lakshar m'a expliqué, mais en plus, il ressemble à un œuf de dragon ailé. Quel que soit le type d'œuf, c'est une nourriture précieuse dans un endroit pareil. Au début, je ne pensais pas que ce serait bien qu'on le mange tous ensemble, mais on dirait que ce n'est pas une très bonne idée. Touche sa surface. C'est tout chaud. Pour toucher l'œuf, Kumel tenait avec attention. On aurait dit que l'œuf émettait de légères pulsations. Faut le garder et en faire une mascotte. Tu comprends, on dirait qu'il est sur le point de naître. Et probablement que si on le laisse comme ça, il mourrait de lui-même. Je voudrais le remettre à sa place naturelle, mais comme tu le vois, avec une taille pareille, tu te doutes bien que tout seul, je n'y arriverai jamais. Aussi, j'aurais souhaité que toi, Adol, et les autres, vous me donniez un coup de main pour le transporter. Bien sûr, je vais te donner un coup de main. Il n'écoute même pas mes raisons. Ah, inimaginable, tu dois être, comme on dit, un bon gars. En tout cas, je te remercie, je suis ton obligé. Bon, il y a de grandes chances que ce dragon ailé ait construit son nid en hauteur. Déjà, je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose ressemblant à un nid sur le mont Gendarme. Ça devrait être pareil dans la partie nord. Quoi qu'il en soit, commençons notre travail de transporteur. Du coup, Adol va le mettre dans sa poche. Ah ! C'est ça. Ah ! Elle a popé juste derrière moi, elle, tiens. Alors, elle, c'est quoi sa quête ? En ce moment, je suis en train de fabriquer un truc génial et j'aimerais bien que tu m'aides pour ça. Allez, tu dois absolument m'aider. C'est encore un peu tôt pour partir en voyage. Tu fabriques un porte-bonheur ? Quoi ? Comment tu sais ? Ah, bah oui, comment il sait ? Il expliqua que c'était écrit dans le titre de la recette, de la requête. Ah bah oui, merde, quel con. Ça, c'est une erreur de calcul. J'ai pas le choix, faut que je te raconte, Adol. En fait, j'avais dans l'idée de fabriquer un joli porte-bonheur et de le donner à une certaine personne. Du coup, je cherche des matériaux qui brillent de mille feux. Si tu avais trois écailles de dragon, tu me les donnerais, n'est-ce pas? Bien sûr, pas de problème. Super, merci, Adol. Ok. Trois écailles de dragon pour la demoiselle. Mais je crois que je les ai pas encore. Fabriquer un joli porte-bonheur pour donner à certaines personnes. Ouais, effectivement, pour l'instant, on ne les a pas. Boire le thé tout en sentant le vent est vraiment exquis. En fait, Adol, ton habileté avec ton épée est incroyable. J'aimerais absolument croiser un jour le fer avec toi. Si tu en as l'occasion un jour, je m'en remets à toi. Est-ce qu'on a du nouveau poisson pour lui, là? Non. On va faire une petite... On va faire la récolte. Lui, il a pas de quête. Putain, on peut pas sauter par-dessus ça, c'est abusé. Très bien. Qui d'autre a des quêtes? Je me souviens plus.
Ah bah il a changé de place lui. Oh, il y a le coffre qui a popé. Ah bah lui c'est la quête des matériaux du coup. Apparemment une créature bizarre a élu domicile dans la vallée érodée. Son flux corporel est tellement corrosif qu'il peut dissoudre le métal. Ah non, c'est pas ça. La vallée érodée est un lieu de production important du minerai. Je pensais échafauder un plan d'action ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Dis-moi quand tu es prêt. Le plan d'action reprenait la vallée... Ah mais d'accord. C'est ça la quête. Du coup ça on se le fera pour la prochaine fois. Note que maintenant vous êtes 18. C'est vrai ça. On va pouvoir aller... Attends, vraiment? On a même 19! Parce qu'en fait, Thanatos, il n'était pas encore comptabilisé. Donc on a gagné la mamie, on a gagné Dana, et on a gagné Thanatos, en fait. On en a gagné 3. Parce qu'on était 17 quand on a eu la mamie, et après Dana plus Thanatos, donc 19. Donc du coup, on peut ouvrir le petit accès là, ouais. C'est bien de me le rappeler. Ah bah, il y a... Ah bah, c'est juste derrière, la livraison 2, à mon avis. Bah c'est parfait, on va aller faire ça. On va aller ouvrir l'accès là, puis on va déposer notre œuf. On fera ça, puis je pense qu'on aura terminé pour aujourd'hui. À mon avis, il y aura peut-être un combat. Je sais pas, on verra. Donc lui, c'est la quête de l'œuf. Putain, lui aussi, il a une quête, là. Sérieux? Le port le plus proche est à quelques jours. On devrait se préparer au mal de mer et à la fatigue. Attention à la réserve de médicaments. Il y a des médicaments compliqués à préparer, ma soeur, pouvez-vous m'aider? Collecte d'herbe claire de lune. Au sujet des ingrédients pour mon médicament, il s'agit de plantes médicinales poussant un peu partout, mais il en existe une espèce particulièrement efficace, scintillant légèrement. Il est impossible de les distinguer en journée, ce qui n'est toutefois pas le cas une fois la nuit tombée. On les appelle herbes claires de lune. Intéressant. Elles sont magnifiques, je suis sûr qu'elles vous plairont. En ce qui concerne leur localisation, selon Thanatos, on les trouverait dans la région du gendarme. Mais s'aventurer dans un tel endroit la nuit serait trop risqué pour nous. J'aimerais donc vous demander d'aller en récupérer pour moi. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, environ 5 feront l'affaire, contentez-vous simplement de les récolter. Et surtout, tâchez de ne pas vous mettre en danger. Il faut faire une exploration nocturne. Ok. Très bien. Le problème des goas, des Gouradouna qui viennent du mont gendarme. Il semble qu'ils sont comme les Iupia. Leur capacité de reproduction est effrayante. Et si on les laisse faire, ça deviendra dangereux. Alors si vous pouviez tous les écraser, je compte sur vous. Très bien. Putain, il y en a de la quête là. Oh, c'est quoi ça? Oh, il y a des cadeaux. Oh, on peut faire des cadeaux. Ah, j'ai pas les... Il me manque des matériaux pour les faire, mais il faudra le faire. Je peux faire cela, déjà. Collier en à clochette. Couteau philosophe. Je ne sais pas. Philosophale, peut-être. Très beau couteau de cuisine tranchant comme une épée. Ah bah, on va la filer à la cuistot. Collier à clochette pour animal. Quelqu'un serait ravi de le recevoir. Paro? Le perroquet? Elle est où la cuisinière? Alors. Donnez le couteau. Il brille différemment des couteaux que je connais. C'est vraiment pour moi? Bah oui. Tout le monde sera content. Je vois. Ma cuisine est effectivement pour les autres avant tout. En tout cas, tu fais vraiment attention à moi. Hein. Si on s'était rencontré 10 ans plus tôt, je serais sûrement tombé amoureuse de toi. Je suis gêné. Cette innocence chez toi est trop mimi. Je me demande à quel point ma famille sera contente si je les régale avec ce couteau. Je l'adore déjà. Merci bien, Adol. L'infinité avec Miranda a atteint son maximum. C'est bon, ça. Déjà? Comment ça, déjà son maximum? Oh, elle a un petit smiley avec des petits cœurs. Regarde ça, c'est mignon. C'est trop mignon. Et à un moment, j'ai quelque chose à te demander. Comment ça? Adol tua l'araignée dans la cuisine comme Miranda lui avait demandé.
N'importe quoi. Ça fait un moment que je n'ai plus l'âge d'un garçon. Oh, ce n'est rien. Ah oui, c'est vrai qu'elle a 6 enfants. Oh là là, tous des mecs. L'enfer. Donc une question de temps avant que nous échappions d'ici. On n'a pas hâte de voir leur visage surpris ? Un bisou. Très bien. Marrant. Du coup, on a une dernière. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le jus. Le jus de fruits. Du coup, il y a une dernière interaction quand on monte l'affinité à Do. Rigolo. Paro, on a dit. Pour le. Espèce de collier, ce serait pas lui. Bateau terminé, Adol, les autres adieu. Mais non, tu viens avec nous. Venir ensemble. Moi, reste sur l'île. Moi, partager nourriture. Ah bon. Tiens, c'est pas pour lui le. Si ça serait pour lui, pour le gamin là. Ah oui. Collier de clochette. Monsieur Adol, c'est quoi ça? Je suis né Niri, moi je suis né riche. Si vous voulez me donner quelque chose, je veux plus. Mais comment ça? Il va le donner au. À Picard, il va le donner. Putain, j'avais même pas réalité qu'il a le nom d'une chaîne de magasins, quand même, le bestiau là. Picard. Non, ça c'est Bigard en plus, c'était caché ça. Le mec se mêle les pinceaux dans les marques alimentaires. Et c'est un Picard. Oui, mais il s'appelle Picard. Ah, toi, tu t'es encore échappé sans prévenir. C'est pas de la nourriture, si tu le manges, tu vas être malade. Regarde, Picard rusé, il s'appelle. T'es toujours comme ça, t'es un petit malin. Je vais te le mettre, alors reste tranquille. Quelle douce affection. Ce n'est pas ça, ça fait longtemps que je traîne avec lui, et puis c'est un compagnon de naufrage. Bah, on dirait qu'il est content. Et s'il disparaît encore, il sera facile à retrouver. Je dois vous remercier. Merci, monsieur Adol. Je dois vous remercier. Ah, d'accord, ok. Deux fois la même phrase. Ah, la finité de Dreja est au maximum, lui aussi. Ah, bah, on va avoir droit à une petite scénette alors. Ah, yes. Vous pouvez m'aider si vous avez du temps. Ça ira plus vite à deux. C'est sympa, ça va avoir des petites scénettes comme ça. Une fois qu'on a augmenté l'affinité à fond. Enthousiasme. Quel enthousiasme, Reja, que de pour le monde pour les travaux de ferme, dis donc. Ça ressemble de plus en plus à un adulte, Reja. Ah,
よな。俺、これでも将来はでっかい男になる予定なんだからさ。Par contre, on n'a pas de petite récompense, tiens, quand... Oui, mais laissez m'occuper de la ferme, moi aussi, je vais bien travailler. On n'a pas de petite récompense, tiens, quand... On booste les personnages à donf comme ça. Marrant. Ah oui! Attends, on a des trucs à faire, là. Tu viens encore obtenir une pierre de feu, je vais immédiatement la mettre à brûler dans le fourneau. Vous pouvez améliorer vos armes. Ah! Alors, ah mais merde, moi c'est déjà... Comment ça? Ah, mais je peux en créer une nouvelle! Bingo! L'âme dynamique. Ah yes! Ça, ça augmente même la défense, dis donc. Bah go. Niveau max déjà. Pour ma nouvelle épée. Mon pote là. Que de gratons. Ah tiens. Je peux en créer une nouvelle directe. Sans passer par la case amélioration de l'ancienne. Mais du coup est-ce que j'y gagne vraiment, je sais pas moi. Ouais c'est ça, au final tu voulais jouer 20 minutes, tu feras même pas d'annexe que du tour de village. Je pense que c'est effectivement comme ça que ça va se dérouler. Bah yes. L'arme de Sahad, ça y est, on a plus de minerai de Tekti. Va falloir qu'on en trouve. Ah, on peut créer de nouveaux équipements. Ah, brigandine. Oh putain, on peut booster l'attaque et la défense de tout le monde. Par contre, j'aurais pas assez pour tout le monde. Écaille de dragon, j'en ai qu'une, les gars. Donc calmez-vous, les gars. On peut pas booster tout le monde. Hein. Pour l'instant, on va juste booster Adol. Voilà. Chacun son tour, les mecs. Hein. Qu'il faut voir pour la quête des matériaux. Bracelet du voleur, village des naufragés. Matériaux pour le bateau, qu'il faut voir, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Merde. Tu as l'air le plus qualifié pour t'occuper de la production de bois, je veux que tu diriges le processus de fabrication des matériaux. Commençons par la quille du navire. Elle doit pouvoir supporter une mer déchaînée, je compte sur toi pour qu'elle soit parfaite. Ce sera de ta faute si le bateau coule. Ah bon? Il n'a pas la pression lui à part ça. Il dit ça si facilement. Mais, je veux juste parler à Thanatos les gars là. Ah ça y est. Laisse-nous nous occuper de la construction du bateau, si on échoue c'est Aaron qui se prendra blâmer. Mais c'est sympa ça. Ça c'est le nettoyage, c'est même pas la... Donc ça c'est plan d'action. Ah mais c'est là, collecte des matériaux. Je vais rassembler les matériaux pour la construction du bateau, je peux donc utiliser les 20... Ah mais j'ai déjà tout. Ah bah yes. Je peux aussi prévenir Monsieur Aaron et Thanatos. Eh bien, on a réussi à rassembler en une fois toute la quantité qu'on voulait. Les amis, merci pour votre travail, vraiment merci. Eh bien, finalement, on commence la construction alors. Pas possible, ce jour est-il vraiment arrivé? Quel sentiment étrange. Ouais, le plus dur reste à faire. C'est maintenant qu'il va falloir donner tout ce qu'on a, tu crois? Oui, on a encore pas mal de problèmes à résoudre. Oui, mais maintenant qu'on en est arrivé là, on franchira tous les obstacles. Avec les explorations et toutes ces contre-attaques, on n'a pas une minute de libre.
Les amis, allons-y haut les cœurs. Yes! Bracelet de voleur, oui, donc s'ils volent. Bah voilà, c'est cool. Du coup, fais voir qu'est-ce qu'il nous reste. Enquête. Donc, livraison 2, d'accord. Ça, c'est. Les écailles brillantes, là. C'est la quête de chasse. Les herbes. Et la vallée érodée, c'est le plan d'action, donc ok. Très bien. Les écailles brillantes. À quoi ça ressemble aussi? On sait pas. C'est un truc que je dois pas avoir en beaucoup. Je dois pas avoir ça en beaucoup d'exemplaires. Hein. Matériaux rares sans doute. Taille de dragon. Gemme arc-en-ciel. Ah, écailles brillantes. Bah. J'en ai 16. Bah, comment ça? Combien elle en veut? C'est pas ça qu'elle veut? Ah non, c'est des écailles de dragon qu'elle veut! Ah, oh, mais quel con! Mais qui les con? Donc ça, écailles de dragon. Comment on l'obtient? Qu'il faut buter pour en avoir? Ça c'est bien, hein. Le bestiaire comme ça qui t'indique quelle créature battre pour avoir quel loot, ça c'est bien. Il y a quand même plein de jeux qui le font pas assez ça. Je te laisse galérer pendant 3 plombes là. Elles sont où? Là. Oh la vache. Bête à vaincre. Bah beaucoup en fait. Marché de Dina, masque guerrier. C'est vrai que j'ai récolté ça. Ah mais je peux en échanger contre des trucs. Ah ouais. Et là. Dina, elle est là Dina. Parce que concrètement, le masque là, c'est quoi cette merde? Ah oh, merde, faut l'équiper elle. Hop. Hop. Et voilà. Et ça. Et ça, c'est bon, ça. Brigandine, ok. Il est où le masque? C'est quoi? Là. C'est quoi? Pas ici non plus. Hein. Non. Ça n'a rien à voir. C'est où? Oui, d'accord. Ouais, j'ai des trucs là. Ah, mais journal de bord, on s'en fout. Ta-da-da-da-da. Bah. Voilà, ça fait partie de la récompense que je vais avoir. C'est une récompense que j'ai eu ça déjà. On prend rien. Fais voir, échange. Est-ce qu'on peut avoir, s'il te plaît. Des écailles de dragon, est-ce que t'en fais toi? Ah déjà tu fais de la viande originelle, ok. T'as pas des écailles de dragon. Trésor, arbre, dragon, donc non. Ah, peut-être, attendez.
Ah non. Ah, saloperie. Va. On peut pas lui... Ah mais c'est ça un masque. Masque furieux multipliant. Ah mais oui, en fait c'est pas un truc que j'ai eu, c'est ça. Ok. Très bien. Et reprise. Genre je lui file ça et elle me donne ça, d'accord. Est-ce qu'on peut... obtenir des écailles de dragon, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça m'étonnerait. Hein. Ah, de la fleurite, elle me file des appâts, d'accord. Non. Non. Tactique. Non. Baie du dragon. Bon bah du coup non hein. On peut au revoir. Bah du coup on va s'arrêter là. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Ah oui, 1h30 là. Donc la prochaine fois, hop. Donc ça on peut toujours pas l'ouvrir, il manque une personne pour l'ouvrir. Ça on peut pas encore y aller parce que c'est le truc aquatique. Et on n'a pas encore la possibilité d'aller sous l'eau. C'est l'enquête principale. Là-bas, c'est la livraison d'œufs. Ah, les herbes, c'est là. D'accord, ok. Émination de Gradona. Ok. Je pense que prochain live jeudi, ça va être pas mal centré sur les quêtes annexes. Je pense que ça va être ça. Ça va être pas mal centré sur les quêtes. Parce que j'aimerais bien faire l'œuf tout de suite là, mais le problème c'est que. À mon avis. Fais voir. Déjà faut se TP là, après faut aller là-bas à pied. Bon, un peu chiant. Annexe et grosse guitare, ça va être ça, ouais. Et puis à mon avis, il risque peut-être d'y avoir un combat. Tu vas mettre l'œuf, il y a des bestioles qui vont débarquer, voilà. Donc on va aller là. Parce que eux, va falloir les éliminer là. Les Gradona. On sait même pas c'est quelle bestiole les Gradona. Hop. C'est pas ça, non. C'est pas ça. Voilà. Hop, hop, hop. Ah, mais ils sont là. L'élimination des Gradona. Tu sais quoi? On va faire juste un combat. On va juste faire celui-là. Histoire de terminer sur un truc un peu dynamique. Et comme ça, après, on ira au camp où faut passer la nuit pour résoudre. Mais ils sont pas beaucoup en plus. On va aller passer, on va aller au camp là où il faut passer la nuit pour récolter les herbes et puis on s'arrêtera au camp, quoi. On gardera les herbes pour un prochain live, c'est-à-dire celui de jeudi. Allez, bim! Et bah alors, les gars! Aïe! Des gros cloportres! Ah! Enfin, non, même pas, des scarabées mutants! Des énormes scarabées mutants! Je suis en train de prendre cher, là, par contre. Des énormes scarabées mutants! Voilà. Et ben voilà, on a fait la quête. J'ai passé le dialogue à la vitesse grand V. La quête est faite. Oh, tu sais quoi, on va aller au village naufragé, on va valider la quête et en fait on va s'arrêter direct. On va pas se prendre la tête à aller au campement là. Vous avez abattu les Gouradouna, vous êtes plutôt bon, voilà un souci en moins. Prenez votre récompense. Potion de protection, ah ça c'est pour augmenter la défense de manière permanente, ça c'est bien.
Et voilà. On va pouvoir s'arrêter là. On va juste utiliser la récompense. C'est ouf. Ça augmente la défense de 3. Bah Saad, hein. C'est celui qui a le moins de défense parmi ceux que j'utilise le plus. Et on va lui donner les deux. Voilà. Très bien. Alors, du coup, demain... demain, ça sera un live de Florian qui, normalement, devrait continuer Fire Emblem. Il avait commencé la semaine dernière le Fire Emblem... le remake du Fire Emblem de la NES qui était sorti sur DS. Voilà, du jeu où il joue... avec les moyens du bord, forcément. Il avait commencé la semaine dernière, il a bien accroché, donc il va le continuer. J'ai bien sauvegardé, oui, normalement, j'ai bien sauvegardé, mais dans le doute. Donc demain, à 20h, c'est Florian sur du Fire Emblem. Jeudi, ça sera moi, à 20h également, on va continuer Is. Is 8, Lacrimosa of Dana. Et vendredi, ça sera Florian, une fois de plus, à 20h, qui là, va continuer FF13, parce qu'il a commencé FF13. La semaine dernière. Ça fait beaucoup de JRPG quand même sur la chaîne en ce moment. Une vraie chaîne de Weeb. C'était ce qui était prévu. À la base quand même. Une vraie chaîne de Weeb. Voilà. Demain 20h Fire Emblem. Jeudi 20h Is. On continue Is 8 Lacrimosa of Dana. Vendredi 20h FF13 avec Florian. Et potentiellement samedi soir et dimanche dans la journée du Is. Voilà. Du Is pendant le week-end, on sait pas encore quand, mais il y aura du Is pendant le week-end. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, à rejoindre la page YouTube pour les rediffs de live. Voilà. Tenez, le Discord, c'est là. N'hésitez pas à nous rejoindre, à nous suivre. À demain pour Fire Emblem et à jeudi pour le retour de Is. Salut.